Tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment faire un donut. Un donut original. Voilà, c'est un donut tout simple. Donc pour cela, vous allez avoir besoin de pâte Fimo or numéro 11. Donc c'est de la métallique. Hein. Vous allez avoir besoin de la couleur souhaitée, donc moi je vais utiliser du violet prune numéro 63, une lame, un rouleau, un cure-dent, le dos d'un pinceau, enfin ce que vous voulez pour faire votre trou. Vous pouvez aussi utiliser des tubes de colle, comme ça. Voilà, à vous de voir. Pour décorer, moi j'ai mis des petits strass, donc j'ai mis des strass roses et j'ai mis une étoile. En sachant que les strass, ça passe au four. D'ailleurs, elle est cassée, l'étoile, j'avais pas vu. Donc voilà. Donc moi je vais utiliser des strass gris comme ça. Peut-être des petites fleurs grises. Vous pouvez aussi utiliser des petits tubes comme ça pailletés. Donc là j'en ai un rose. Là j'en ai un blanc, donc c'est pailleté. Je ne sais pas si vous allez voir bien. C'est pailleté. Voilà, et j'en ai aussi un comme ça. Mais celui-là c'est pour jeter des paillettes. C'est différent. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Donc on va commencer par prendre notre couleur. Et on va faire une boule. Donc, on commence par faire une belle boule. Ensuite, on va faire un petit boudin, enfin une espèce de boudin, pour former la forme de notre donut. Je vais prendre mon rouleau, je vais rouler un petit peu la pâte. Donc après, chacun sa technique pour faire la forme du donut. Donc une fois avoir fait ça, on va commencer. On va venir faire maintenant le trou. Donc pour le trou, c'est simple. Vous pouvez utiliser comme moi. Alors vous pouvez aussi faire juste la forme. Et ensuite avec un cure-dent, on va tourner et fur et à mesure agrandir le trou. C'est pas compliqué. Hein. Vous pouvez aussi utiliser le dos d'un pinceau, le dos d'autre chose. Hein. Il y a plein de choses que vous allez pouvoir utiliser. Pour faire le trou en fait, pas la forme mais le trou. Donc ensuite je tourne. Alors moi ça s'est un peu cassé, c'est voilà, c'est comme les vrais gâteaux hein. Des fois ça se casse, donc voilà. Ensuite je refais ma forme normale.
C'est vraiment pas grave si vous avez une fissure comme moi, on va la cacher justement à l'aide du violet. Donc une fois qu'on a notre forme souhaitée, on va prendre un morceau de fimo. On va en faire une boule qu'on va venir rouler. Donc pas besoin d'un porte-pièce, hein. Ça sert à rien de sortir ces emporte-pièces juste pour ça. On va faire la taille d'un rond à peu près de la même taille que le donut. Donc assez fin, hein, mais pas trop non plus épais. Pas trop épais, pas trop fin, bref. Une fois avoir fait à peu près votre rond, regardez si ça loge. Si ça loge, il vous reste plus qu'à couper la moitié de votre rond. Voilà. Et on va venir le poser. Alors moi, je vais recouper encore un petit peu. C'est vraiment si vous voulez. C'est pas une obligation de revenir couper et je vais rerouler un tout petit peu. Et je viens positionner sur mon donut. Donc on vient bien bien poser. Voilà, et on va refaire donc notre trou, donc à l'aide toujours de mon cure-dent pour ma part. Pour venir former. Ensuite, vous venez mettre donc par exemple les décos choisis. Bon, moi je vais pas mettre la fleur. J'aurais pu, si moi j'ai décidé de mettre la fleur en plein dans le trou. Je vais vous montrer ça tout de suite. Maintenant, c'est censé être un donut, mais moi, je l'ai un petit peu reformé. Après, voilà, à vous de voir comment faire votre donut. À vous de faire comme vous le pensez. Moi, voilà comment je l'ai fait. Voilà comment j'ai fait mon petit donut. Voilà, mais vous pouvez très bien faire comme moi le premier que j'avais fait. Donc voilà comment faire un donut original. J'espère que ce tuto vous aura plu et puis on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye bye!